Aux États-Unis, les élections des mid-terms ont lieu à la moitié du mandat présidentiel. Ce vote intervient le mardi qui suit le premier lundi de novembre et détermine qui contrôle le Congrès. L'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants est élu à cette occasion pour un mandat de 2 ans. Environ un tiers des 100 sénateurs est aussi renouvelé pour un mandat de 6 ans. Le résultat du scrutin peut donc avoir un effet majeur sur la capacité du président à appliquer son programme. Un mois avant les midterms, des élections primaires ont lieu dans l'ensemble du pays. Les électeurs choisissent le candidat préféré de chaque parti qui se présentera ensuite au suffrage de novembre. Le même jour, 36 des 50 États américains élisent leur gouverneur.